Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo swap. Oui, vous savez, je suis une grande fan des swaps. Et pour cette fin d'année, j'en avais prévu quelques-uns avec des copines et tout, avec des filles avec qui, voilà, il y avait une vraie relation, une vraie amitié. Et du coup, voici le dernier swap Harry Potter. Après, je vous promets que je ne vous saoule plus avec les swaps Harry Potter et on passera à des petites choses un peu plus beauté. Donc là, ce dernier swap Harry Potter est avec la belle Emma de la chaîne Emma Cup. Moi, je lui ai fait un swap beauté puisque c'est ce qu'elle voulait, et elle m'a fait un swap Harry Potter. Donc elle m'a tout mis dans ce gros sac que j'ai déjà eu, mais c'est trop bien, de chez Primark, qui est juste énorme. D'ailleurs, l'autre que j'ai déjà, et ben il est dans ma classe et il me sert à emmener mes cahiers, etc. Alors elle m'a mis un petit mot à l'intérieur, donc coucou, un grand merci de m'avoir sélectionné pour faire ce joli swap avec toi et pour moi make-up. Je voulais faire un emballage et lettres sur le thème de Harry Potter, mais les conditions actuelles ne m'ont pas permis, mais le principal c'est l'intérieur des paquets. Effectivement, ils sont déjà très très beaux hein, ces paquets, ils sont trop trop mignons là, ça donne envie, hein. C'est un peu Noël avant l'heure déjà, donc c'est trop cool. Donc, il y a un petit rouleau non emballé, donc je pense que c'est cette petite chose là. J'ai pensé que c'était du tissu pour te faire un joli masque, mais ce n'est pas du tout ce que je pensais. Du coup, fais ce que tu en veux. Ah, c'est marrant ça. Ah oui, c'est une matière un peu... D'accord, on va regarder tout de suite comme ça, on a un petit spoil. Donc elle pensait que c'était du tissu pour faire un masque, mais c'est vrai que c'est une matière, c'est marrant cette matière, je sais pas du tout ce que c'est. Mais ah, ça peut être pour faire une petite pochette alors, non? Regardez-moi. Donc c'est trop bien. Bah écoute, je vais essayer de trouver une idée de faire ça, mais il est trop beau. Il est magnifique, donc à voir ce que je peux faire avec. Il va être utilisé pour de bonnes choses. Mais c'est toi la couturière. Parce que oui, Emma, c'est une grande artiste au niveau make-up quand même. Elle est assez douée. Mais c'est une couturière aussi. Donc, si j'ai une idée, c'est toi qui vas me le coudre. Hein, parce que, ou ma belle-maman peut-être. Il y a un petit sticker. Je dois t'envoyer une photo. C'est pour coller sur un interrupteur pour ta classe. Oui, je vois. Est-ce que c'est pas le sticker Lumos, un truc comme ça? Est-ce qu'il est dedans, du coup? J'espère que tout ce qu'il y a dedans va te plaire à toi et tes élèves. Je te fais des gros bisous et je te laisse tout ouvrir. Eh bien, j'ai hâte, ma petite Emma. Je te remercie de tes petites attentions. Et comme je l'ai dit dans mes autres vidéos swap, souvent, ce style de petit swap, c'est pour me gâter, ça me fait plaisir. Mais je suis sûre que ça fait un petit peu plaisir à mes élèves, au passage, quand je leur ramène ces petites merveilles en classe. Bah écoutez, ma foi, je vais ouvrir le gros gros là qui m'intrigue. Et je vois dans le paquet qu'il y a un petit PS comme ça, Harry Potter. Et dans ma box avec Mélanie, elle m'en a offert, mais est-ce que c'est le même? À vérifier. Mais c'est trop 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 bien. Donc ça, je disais d'ailleurs dans ma vidéo box, si elle est déjà en ligne, hein, je vous la mettrai ici. Mais que soit je les garderai pour mes enfants, soit je les garderai pour ma classe tout simplement. Parce que je fais des lots concours, donc c'est trop bien. Donc il y en a un deuxième de Ron, donc c'est parfait. Celui-ci, tout. Alors elle m'a mis des petits indices dessus comme ça. On peut faire une pétanque avec, non mais je te jure, non mais Emma quoi, Emma, elle a un de ses humours, Emma j'adore. Et n'hésitez pas à aller la découvrir sur Insta aussi parce qu'elle me fait trop trop rire. Donc c'est la fameuse boîte à Quidditch, oh là 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 là, je les voulais trop, trop beau, trop beau, trop beau. L'année dernière il y a un élève qui l'avait ramené dans ma classe, on était tous en extase devant, on était là genre, ah oh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc je vous montre, ça se présente comme ça, il y a un petit bouton et à l'intérieur vous avez donc les boules de Quidditch avec le petit vif d'or là. Évidemment c'est de la déco, oh je vais enlever le plastique, hop, c'est de la déco mais il est trop beau. Mais ça dans une déco c'est juste trop magnifique, elle est trop belle quoi. Hop, je vous la montre de plus près, oula, moi je catastrophe en catastrophe. À l'intérieur vous avez le swap je pense, les elles sont vraiment bien faites hein. Ils sont lourds en plus, hein. Je sais plus lesquels sont lesquels, hein. Pardonnez-moi, même si j'aime bien Harry Potter, je suis pas non plus la pro. Je suis sûre qu'il y a des élèves à moi qui sauront mieux le dire. Mais on a donc les trois... En fait, c'est comme dans le film, quoi. La boîte, et même quand il referme, il a du mal à refermer parce que les boules, elles bougent comme ça. C'est trop bien. Et c'est trop beau. D'ailleurs, c'est trop marrant, on dirait que c'est peint et tout ici. C'est vraiment bien fait. Mais j'ai trop hâte d'emmener ça dans ma classe, quoi. Oh, elle a trouvé Hermione! On a une tête bizarre notre Hermione hein. Trop bien, ça je l'ai pas celle-ci. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. D'ailleurs tu me diras Emma où est-ce que tu les as trouvés. Ça m'intrigue, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Celui-ci, bah il n'y a pas d'indice. Bah alors, tu m'as mis un indice. Donc là c'est rond, qu'est-ce que ça peut être? J'ai pas d'idée. Une bouteille, ah bah j'avais pas d'idée du tout. Une bouteille sur le thème d'Harry Potter. Ça va être cool ça pour les petites pour les petites boissons l'été. Ou même l'hiver hein, tout simplement. Elle est trop belle comme ceci.
Je vous la montre comme ça, mais vous voyez peut-être pas. Avec la petite citation comme ça, elle est trop trop jolie. Light Magic, elle est trop jolie, j'aime trop. Ah, vous avez même ça et tout pour si vous mettez des petits morceaux à l'intérieur et que vous voulez pas les avaler au passage. Elle est trop bien, j'adore. Pas d'indice sur celui-ci. Ça a l'air d'être un cadre ou... Ah, c'est un livre. Et elle m'a dit qu'il y avait des doublons. Est-ce que c'est celui-ci? Oui. Mais tu sais quoi, c'est trop bien. Je lui ai dit, de toute façon, en message, quand elle m'a dit « Ah mince, j'ai fait la boulette, j'ai acheté les mêmes que t'as eu dans ton premier swap. » Et en plus, c'est des filles qui se connaissent, hein, Emma et Jessica. Elles auraient pu en parler, mais bon, elle a pas dû faire gaffe. Et mes élèves sont... Faut que je leur laisse... Mais du coup, comme il y en a deux, je vais pouvoir leur laisser un. Même si c'est compliqué avec le Covid, etc. Parce qu'il faut pouvoir sentir les odeurs. Et du coup, bah... Au niveau du côté hygiénique et tout, c'est pas trop possible. Mais il y en aura un pour ma classe, en tout cas. Et un pour chez moi, parce que mes enfants ont adoré ce livre-là. Et l'autre, bah, je l'ai emmené en classe déjà. Donc celui-ci, ce sera pour la maison. Pour ta classe. Est-ce que c'est pas une... Oh, j'en sais rien du tout. J'allais dire que c'est pas le format d'une pop, mais... Non, je vois pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop bien. Alors, il y en a qui vont être jaloux. C'est une guirlande, comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Une guirlande Gryffondor. Donc ça, ça va être trop bien. Peut-être qu'on va même les mettre dans notre sapin de Noël. C'est trop une super idée, ma petite Emma. Bon, les autres maisons vont être jaloux, mais c'est trop une bonne idée, quoi. Je sais pas du tout où elle a trouvé ça, mais c'est trop cool. Harry Potter jusqu'au bout des ongles. Alors ça, je pense que c'est une plaque de stamping. Alors moi, je fais pas de stamping, mais ça m'a fait rire. Enfin, j'essaye, après c'est de ma faute. Hein. Tu vas m'apprendre, Emma, parce que moi, je suis pas assez douée pour ça. Mais je sais, je crois qu'une fois, elle m'avait envoyé une photo d'une plaque de stamping avec des trucs Harry Potter et ça m'avait fait rire. Et donc, je pense que c'est ça. Elle a dû l'acheter aussi. Donc, avec les petits... il y a le Always de Harry Potter. Il y a Harry Potter. Il y a les petites lunettes. Il y a... Ah, il y a des trucs trop bien. Mais d'ailleurs, il y a toutes les maisons aussi. Trop cool. Il y a... Ouais, il y a des trucs super mignons. Je sais pas si vous verrez. S'il y a des liens que je trouve, je vous mettrai ça en barre d'infos si j'y pense, évidemment. Mais c'est trop cool. Mais maintenant, Emma, il faut que tu me fasses un petit cours. Hein? Dès qu'on peut... Tu me fais ça. Il est pas très beau. Mais de qui me parle-t-elle? Il est pas très beau. Alors, là, je vais peut-être dire. Ah, trop bien! Alors ça, oui, il est pas très beau, mais dans notre cœur, il est très beau, notre petit Dobby, parce que dans notre classe, on a notre petite Émilie. Et le premier jour, elle est arrivée en Dobby. Et du coup, bah, elle est venue... Enfin, le premier jour. À un moment donné où moi, je me suis mis en McGonagall, elle s'est mise en Dobby. Et du coup, c'est resté, c'est notre petit Dobby. Donc, même s'il est pas très beau, nous, on l'adore, Dobby. Et Talking Dobby, qu'est-ce que c'est? C'est un petit objet de collection en fait, ouais. C'est trop bien, c'est trop mignon. Je vous l'ouvre, hein, parce que quand même, j'ai envie de voir ça. Ah oui, c'est... Oh, ah ouais. C'est vraiment la toute petite... Alors c'est vraiment tout petit petit, mais on a notre petite Émilie, quoi. Et il a l'air d'avoir du son. Et il y a notre Dobby qui est là. Donc c'est la petite à positionner dessus, je pense, et ça fait du son. C'est vraiment intéressant, ça m'intrigue, ça. Ça m'intrigue beaucoup. Et on a même le petit livret, quoi. Le petit livret sur Dobby. Non mais c'est trop classe. Alors là tu m'as surprise avec des choses que j'avais même pas vu sur internet quoi. Trop bien. Pour ta classe. Tu me fais rire mais ma petite Emma, les trois quarts des choses sont pour ma classe. Hein. J'allais dire c'est une pop mais non. Ah là c'est encore une guirlande mais cette fois-ci c'est Hogwarts. Donc trop bien. Alors là il n'y aura pas de jaloux. Ils seront tous contents. Et celui-ci, est-ce que je le mets dans le sapin alors? On va mettre les deux dans le sapin, ça va peut-être trop. Celui-ci, on va peut-être le mettre à côté de notre tableau, ça peut être cool. Donc pareil, dans le même délire, hein. Ça s'allume et c'est en version comme ça. Hogwarts, c'est trop sympa. Pas d'indice sur celui-ci. La forme ne me dit absolument rien. Vous êtes une peluche, une figurine? Ah non. Ah, c'est trop bien. J'en ai pas en plus, c'est ça qui est dingue. Des chaussettes! Oui, des chaussettes en plus de 4 maisons. Il y a toutes les maisons. Donc moi, je suis Poufsouffle, hein, pour celles qui ne le savent pas. Mais c'est trop cool. Donc ça vient de chez Primark. Donc elle a peut-être réussi à les avoir avant la fermeture de tous les magasins. Parce que c'est vrai que ça nous a un petit peu... forcément, on a eu un petit peu plus de difficultés pour trouver des petites choses. Hein, parce qu'il y a des trucs qu'il y avait sympas dans les magasins. Donc ça, c'est trop cool. Je viens de voir là au fond, au milieu de tous les paquets, je viens de voir, est-ce que ça va pas tomber là? Je viens de voir qu'elle avait mis un petit washi tape comme ça, qui est trop beau. Je vais essayer de vous faire des close-up pour que vous voyez de plus près. Demain je vais faire ça parce que comme ça il y aura une meilleure lumière. Mais ils sont trop méga beaux avec Hogwarts, il y a McGonagall, enfin voilà, c'est un petit washi tape comme ça d'Harry Potter. Et ça c'est trop cool, je pense qu'elle a trouvé sur AliExpress. Ce petit cadeau là, il y a écrit Golden, donc Golden... J'ai pas d'idée.
Est-ce que c'est un vif d'or peut-être? Golden Snitch. Okay. Ah ouais, ça a l'air d'être un vif d'or. Trop bien. Pareil que tout à l'heure, c'est un peu dans la même collection que Dobby. Vous avez le support là, comme ça, un peu en bois. Et le vif d'or avec ses ailes et tout. Donc ça, vous verrez. Oh là là, il est beau quand même, il est bien fait. Hein. Ouh, il est vraiment beau. Ça, c'est trop cool. Et pareil, vous avez le petit livre. Donc on a une petite collection comme ça à faire. Ça, c'est parfait pour les collectionneurs, je pense. Hein. Tu l'as compris. Donc ça, c'est trop trop bien. Mais je sais pas du tout où elle a trouvé cette collection. Je sais pas du tout. Ah, c'est ça. Lumos. Ça vient de chez Nose. Je t'envoie une photo. Non, t'as trouvé ça à Nose, pas possible. Je sais que sur AliExpress et tout, il y en a, mais chez Nose, alors là. Ah ouais, trop bien. Trop bien, donc le petit sticker, c'est comme ça, Lumos. Donc c'est pour mettre sur les prises, sur le bouton pour allumer. Donc j'espère que je vais pouvoir le mettre dans ma classe. Et est-ce que c'est des stickers? Ouais, ça a l'air d'être des stickers, ça a l'air trop cool. Celui-ci, il n'y a pas d'indice. C'est rond. Qu'est-ce que c'est? Mais je suis devenue nulle. Ah, trop bien! Alors, il n'y a pas la boîte, mais c'est pas grave, c'est trop bien. Ça doit être sur AliExpress, c'est pour ça. C'est le double Harry Potter. Moi, l'année dernière, j'en ai fabriqué 2 ou 3 pour ma classe, que j'ai imprimé, etc. moi-même et tout. Mais je vous avoue que, bon, c'était grave fatigant. Et c'est vrai que je leur laisse pas forcément beaucoup de temps pour y jouer. Mais là, il est trop beau comme ça, regardez. Il est magnifique. Donc, le double, hop. Il est vraiment pas mal, hein, dis donc. Je suis étonnée. Je vais pouvoir y jouer avec mes enfants. On adore le double à la maison. Donc c'est trop, trop, trop cool. Sachez pour information que pour notre swap, on en a fait autour d'un budget de 100 €. Étant donné que moi, je vais acheter de la beauté, j'ai pas du tout acheté sur AliExpress, etc. Moi, je me suis concentrée sur Sephora, Beauty Bay et quelques petits plus comme ça que j'ai trouvé par-ci, par-là qui me faisaient penser à elle. Mais du coup, forcément, j'ai beaucoup moins de cadeaux qu'elle, hein, puisque bah c'est pas la même valeur. Je dis pas que ça coûte pas cher hein, ce qu'elle m'a offert, mais forcément, moi, j'ai préféré mettre des petites pièces qui coûte un petit peu plus cher et qui lui plaise vraiment, et j'ai pas pu acheter 500 000 cadeaux quoi. C'est pour ça, j'ai envie de me justifier un petit peu. Bon, on passe à ce petit cadeau là, et elle m'a mis pour prendre le bus. Ah, c'est le petit ticket 9¾, ça c'est... Ah non, c'est pour l'autre bus. Ah, il est trop bien fait. C'est pour le... Comment il s'appelle ce bus? J'ai un trou de mémoire. Oh là là, la maîtresse, elle a un trou de mémoire. Je ne sais plus son nom. En tout cas, il est trop bien fait. Moi, j'en ai imprimé un une fois pour faire genre, quoi. Mais il est vraiment pas mal. Hein. Si elle a trouvé ça sur AliExpress, il est pas mal fait du tout. Pour ta classe, est-ce que c'est pas un poster? Parce que c'est rond. Ouais, je pense que c'est un poster. Ça, ça doit venir d'AliExpress aussi, je pense. Elle est sympa, Emma. Elle m'a laissé tous les trucs comme ça. Va, je vais... Ah non, ça va. Je croyais que j'allais galérer à l'enlever, mais ça va. Attendez à pire. En tout cas, il est bien emballé. Parce que moi, j'ai déjà commandé une fois un truc sur AliExpress comme ça. Et c'était pas du tout emballé comme ça. Hein. C'est venu tout plié et tout. Oh, celui-là, je l'ai pas en plus. C'est l'affiche avec Dumbledore dessus. Et il y en a une deuxième avec Harry. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Ils sont vraiment bien. Et là, ils étaient bien protégés. Donc, c'est trop cool. La mairie de ma ville a fait enfin un article sur ma classe. Et honnêtement, l'article, il est trop, trop bien fait. Mais ça a l'air lourd là. J'allais pas le laisser vide. C'est pas grand chose. Tu me fais peur là, Maïma. Tu me fais sacrément peur. Alors ça doit être un petit sac ou une trousse ou un truc. Mais c'est hyper lourd quoi. Qu'est-ce que t'as fait? T'es pas sérieuse toi hein. Et elle est trop belle la trousse d'ailleurs. Regardez-moi ça. Elle est trop jolie. Et elle a mis des petites choses à l'intérieur. Elle m'a mis quand même un peu de beauté. Ça c'est trop mignon. Elle m'a glissé donc dedans. Oh, c'est trop mignon, ça. Un kit à la noix de coco de chez W7. Ouh, avec une lotion pour le corps, un gel douche et une brume. Sérieux. C'est sérieuse, là. Mais ça a l'air trop beau. Oh là 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 là. Je vais tester la petite brume, là, parce que ça m'intrigue. Allez. Ça sent vraiment la noix de coco... Ça sent pas la noix de coco traditionnelle, je sais pas. Ça sent bon, j'aime bien. Ça sent vraiment la noix de coco un peu plus pour l'été, vous voyez. Plus tropical, ça sent pas la noix de coco cocooning. Mais j'aime bien, écoute. C'est trop cool. T'as le trio, mais qui tue. Mais faut savoir que W7, ils font quand même des trucs trop, trop sympas. Et t'es une dingo, hein. T'es une dingo. Elle m'a rajouté un blush de chez Essence. C'est le Mosaic Blush, comme ceci. Il est trop sympa. La teinte 35 Natural Beauty. Donc ça, c'est trop sympa. Moi, j'aime bien. Elle m'a mis... Ah,
coconut encore. Un baume pour les lèvres, je pense. Oui, c'est ça. À la noix de coco comme ça de chez Essence. Donc en petit pot. Trop bien. Ça, c'est trop adorable. Un petit blush comme ça de chez... Mais t'es une dingue, hein. Pourquoi tu m'as fait plein de cadeaux comme ça? Moi, je suis une grande fan de blush, donc je pense qu'elle l'a compris. De chez Catrice, c'est la teinte 010 Dolce Vita. Il est trop sympa, ça j'ai hâte de tester. Et pour finir, moi je lui ai mis la petite poudre de chez Kat Von D qu'elle voulait tester et que moi j'avais en double. Et moi, elle m'a mis celle de Fenty Beauty en mini comme ça, qu'elle avait aussi en double. En revanche, elle est teintée ou pas? Ah non. Bon, c'est léger. C'est la teinte Cachou, je sais pas comment ça se dit. Donc ça, il paraît qu'elle est vraiment bien. Donc à tester, c'est la poudre fixatrice retouche instantanée pro filter. Et honnêtement, ça, c'est quand même la petite touche quand même sympa. Et d'ailleurs, je sais pas si vous verrez, il y a écrit Hogwarts dessus. Elle est vraiment belle, cette petite trousse là. Pour écrire les devoirs que la maîtresse donne. Bon, je te rappelle que c'est moi la maîtresse. Hein. Est-ce que c'est du coup des stylos que je vais pouvoir prêter à mes élèves? Ah non, c'est pas des stylos. Non, mais je suis à la ramasse aujourd'hui. Hein. C'est un beau carnet. Il est superbe. Oh là 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 là. Il est trop trop beau. Et du coup, c'est un agenda? Ah, on dirait un agenda, mais ça a l'air de pas être... Ah si, 2019-2020. Ouh, il est beau. C'est un peu à l'ancienne, quoi. Il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez. Je sais même pas si on va réussir à s'en servir de cet agenda. Non, mais je te jure, il est trop beau. Regardez-moi ces pages. C'est tout en finesse, là. Il est super bien fait. Écoute, si t'as trouvé ça sur AliExpress ou quoi, je trouve que c'est bien fait parce qu'il n'y a pas de marque, entre guillemets, dessus. Donc, j'imagine que c'est AliExpress. Il est super bien fait. Il est aimanté comme ça. Il est vraiment beau. Celui-ci, ah, ça je sais aussi. Est-ce qu'elle a mis un indice? Non. C'est un carnet aussi qu'elle a acheté en double. Mais je lui ai dit, enfin si je me trompe pas, je lui ai dit que c'était pas grave. Parce que je pense que celui-ci, je vais en garder un pour moi. Tout simplement parce qu'il m'en faut un pour moi pour garder les idées. Et l'autre, bah, je vais le mettre dans un concours pour mes élèves. La fameuse coupe des maisons. Je pense que je vais faire un gros lot avec plein de choses à la fin de l'année pour la maison gagnante. Et ils se partageront le lot ensemble. Donc je vais mettre plein de petites choses dans un gros sac Harry Potter pour eux. Donc je pense que ça en fera partie et ça leur donnera de quoi l'été prochain de faire des petites choses en lien avec la classe. Donc ça va être très très cool, donc merci. Il en reste que 4, ça va vite les swaps. J'ai ça. En plus avec ma lumière j'ai l'impression que j'ai le nez rouge, hein. Mais je n'ai pas bu, je vous le promets. Tout petit comme ça, ah c'est le ticket. Alors des fois elle m'a mis des indices, des fois c'est arrêté en cours de chemin. Emma, je ne sais pas pourquoi. Alors là, c'est le fameux ticket pour le train. Ouh, il est trop beau aussi. Je pense que ça, c'est AliExpress. Il est vraiment beau. La plateforme 9¾ avec cet effet un peu dorure là. Trop bien. Ça, pareil, ça va aller compléter ma petite collection à l'école. Et il est vraiment bien fait. Idéal pour faire les courses. Donc j'imagine que c'est les sacs cabas qui se déplient là, vous savez. Qui s'agrandissent. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Ouais, et c'est la maison gris. Ah non, pas Gryffondor, je dis des bêtises. Il est rouge, mais c'est pas Gryffondor. C'est du coup Hogwarts. Et derrière, il y a le logo de Quidditch. Ah, trop bien! D'un côté, Hogwarts. De l'autre côté, Quidditch. Et donc, est-ce qu'à l'intérieur. Ah ouais, il y a le sac à l'intérieur en fait, que vous pouvez déplier. C'est trop classe. Je vais le laisser dans mon sac d'école. Ça va être trop bien. Donc, officiel Harry Potter. Ça vient de la marque La La Lone. Paladone. Donc tant mieux, trop cool. Et là, alors ça je sais, parce que je voulais lui racheter. Et j'aurais tellement voulu avoir les autres palettes. Ça c'est quand deux passions font qu'un. Et je suis trop contente, j'avais trop hâte de l'avoir en vrai d'ailleurs. C'est une palette de maquillage qui vient des États-Unis. C'est, je crois, si je ne me trompe pas, du magasin Ulta. Et du coup, ils ont fait ouais Ulta Beauty Collection. Ils ont fait une gamme Harry Potter comme ça avec les 4 maisons. Donc celle-ci, c'est Gryffondor. Et si j'avais pu commander aux États-Unis, j'aurais commandé les 4, je pense, parce qu'elles étaient vraiment sympas. Elle a commandé celle de Gryffondor et elle lui plaît pas. Donc je lui ai dit, bah écoute, je te la rachèterai. Et puis après, on est parti sur notre swap. Et puis bah du coup, elle me lave. La pigmentation a l'air d'être ouf parce qu'il y a des petites chutes sur les bords. Et je vous jure, les chutes, elles tâchent quoi. Elle tâche. Donc il y a écrit détermination, courage et bravoure. Et c'est des teintes un peu, voilà, prunes, marronnées. Très 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 jolies. Moi j'aime bien. Après je sais pas du tout ce que ça a l'air d'aller. Mais en tout cas il y a des taches de pigmentation. Donc ça a l'air pas mal. J'ai hâte de tester, je connais pas du tout. Hein. Mais vous en aviez donc 4 dans les couleurs un peu des maisons. Donc sûrement une verte, une bleue et une jaune. Et honnêtement, si vous les trouvez quelque part, pensez à moi. Si vous voyez ça quelque part de la marque Ulta, pensez à moi. Le dernier, il y a écrit « Désolé, les règles sont en anglais, 4 plus 2. » Alors ça doit être un jeu, peut-être un jeu de cartes ou quelque chose comme ça. Les règles sont en anglais, ouais, c'est pas grave. Ah,
C'est le fameux Uno. Et c'est trop bien. Oh, bah mes élèves, ils connaissent les règles du Uno, donc ça ira très bien, hein, même si c'est en anglais, on s'en fiche. Hein. Donc trop, trop sympa. Je savais même pas qu'il existait le Uno en anglais, quoi. Sérieux? Ils disent à l'intérieur qu'il y a des règles un peu spéciales, donc c'est peut-être pour ça, mais t'inquiète pas, moi et l'anglais, ça va, on se débrouille. Donc trop, trop, trop bien, c'est une super idée. Ma foi, mais ce swap est top, top, top. Hein. Vous l'aurez compris, je suis conquise par tous les produits, tous les cadeaux. Merci ma petite Emma, vraiment. Elle m'a dit que mon swap lui avait plu, mais je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Hein. Je vous mets tout en barre d'infos, hein, sa chaîne et la vidéo avec le swap que je lui ai donné. Honnêtement, tout est parfait et il y a vraiment plein de choses que je n'avais même pas vues sur les réseaux, sur internet et tout. J'avais pas tout regardé. Tu m'as plutôt bien surprise et bien cernée. Je pense que mes élèves vont être méga aux anges et que ma classe va être juste waouh, hein. Déjà qu'elle est vraiment bien fournie en déco, bah alors là c'est voilà, c'est waouh waouh. Donc merci ma petite Emma encore, hein. Je suis excitée parce que mes élèves, je sais qu'ils vont être contents aussi avec moi. Donc voilà, je partage avec vous, j'essaye de partager avec vous notre engouement à tous. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très prochainement. Bisous!